Près de 4 ans après avoir obtenu gain de cause, les victimes du régime de l'ex-président tchadien Hissène Habré n'ont toujours pas obtenu leur indemnisation. Lundi, un collectif d'ONG a demandé au président sénégalais Macky Sall, président de l'Union africaine dès février 2022, de faire de leur indemnisation sa priorité. En 2017, la Cour d'appel au Sénégal confirmait la condamnation de l'ex-président Hissène Habré et allouait à 7 396 victimes désignées la somme de 82 milliards de francs CFA, soit 153 millions de dollars américains. Un fonds de l'Union africaine a ensuite été chargé par la Cour d'appel de collecter cet argent en recherchant les avoirs d'Hissène Habré et en sollicitant les contributions. L'Union africaine elle-même a alloué 5 millions de dollars au fonds fiduciaire pour les indemnisations, mais à ce jour, le processus n'est toujours pas opérationnel.